c'est un film de Noël et c'est un film grand pour se voir sur les écrans comme ça. Et c'est un film de famille, d'amis. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis Monsieur Willy Wonka. It was a lot of work. I meant my last film came out 6 years ago, and I've pretty much been doing a lot of Wonka ever since. And the kind of world building side of it, to use that strange expression, was hugely challenging. And trying to create a sort of a world that could match the world of Roald Dahl, which is kind of slightly larger than life and slightly storybook, but still have one foot in reality. And that's a very fine line to tread. And I was so lucky to work with Nathan Crowley, who's this great production designer, who's worked with Christopher Nolan a great deal and did The Greatest Showman and is so experienced and wonderful, and was huge for me. And to work with Lindy Hemmings, our great costume designer, and to get all these people together, extraordinary craftspeople, to try and make this world was fabulous. C'était immersif, comme tu as dit. C'était l'impression qu'on travaillait dans un film Hollywood des années 40 ou 50 où tout était construit pratiquement. Et des sets de rêve pour un film de rêve. Moi, je n'étais pas sur le plateau beaucoup parce que c'était un peu triste. J'étais tout seul dans un petit studio avec ma casque. Mais j'ai visité le plateau plusieurs fois. Et comme vous dites, c'était magnifique. Et c'était une bonne métaphore pour cette version de Willy Wonka, parce que c'est vrai. Ce n'était pas une espèce de création de green screen. C'est un film sincère. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. I was so in love with the Gene Wilder movie as a kid, and it has these great enduring songs. And Pure Imagination is one of the most beautiful songs I know, and the Oompa Loompa song is one of the best funny silly songs in movie history, if you ask me. So I really wanted to do a film that would feel like a companion piece to that movie and that would sit alongside it and have some of the same sensibility. And we were always asking ourselves, what would that creative team do if they were tasked with making a film about young Willy Wonka? And I hope we've got close. C'était dur. C'était très dur. Non, pas beaucoup. C'était assez simple, mais c'est une chanson qui reste dans la tête. Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. I think what surprised me most was how enormous an undertaking it is to make a big scale musical film, you know, with singing and dancing. And there are so many departments that don't even exist on a regular film. Like, it was very nice because it sort of felt like old world Hollywood to sort of walk around the studio and go, there's 100 people learning a dance. There's some people recording a song. And it sort of felt like all we needed was a bunch of sort of centurions walking past. And I'd have felt like I was in the 1940s. C'est exigeant, ça m'a rendu très heureux de voir tout le monde sortir du cinéma qu'on a regardé l'autre soir à Londres, souriant. C'est bizarre, j'ai jamais, dans ma petite carrière, dans ma jeune carrière, jamais travaillé sur un film comme ça où tout le monde, genre presque tout le monde est parti hein, souriant, même Hugh. Non, pas beaucoup. Vous pourriez changer sa vie, Monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Sauf qu'il peut. Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Yes, it was from the very beginning. So the first sort of idea, I knew I wanted to work with him because he's so fabulous in everything. And we'd met and I was really hoping to find something to work with him. And when
David Heyman, the producer, mentioned the idea of Young Wonka. The first sort of image that came to my head was the first image of the movie is him coming out of the mist and he's up the mast, this sort of eccentric figure. And I kind of almost saw it in my head and the camera pushing in and there he was as Timothée Chalamet. So in my mind's eye, it was always very clear. C'est le vrai Paddington. C'est un homme Paddington, gentil, très 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 humoureux, comme Hugh. Un peu cette attitude anglais, un peu sec, mais très collaborateur. Mais grand obsessif. Oui, grand obsessif. Un double rein ? Tu as un crayon et du papier ? J'ai une idée. C'est un film de Noël et c'est un film grand pour se voir sur les écrans comme ça. Et c'est un film de famille, d'amis. Et surtout parce que ça te laisse avec un esprit genre joyeux, je sais pas comment dire. C'est pas un de ces films qui te laisse, je sais pas, malheureux. Et tous mes amis à qui j'ai montré, ils veulent voir encore parce qu'il y a plein de petits moments qui te sautent au-dessus de la tête quand tu vois.